Et coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 11 juillet, il est 19h03. J'ai allumé le fondant du jour. Donc le fondant du jour, c'est le fondant bonbon. Ça sent bon, clairement. J'ai dû un peu donc le charger, je vous ai expliqué pourquoi. Ce n'est pas parce que mes fondants diffusent mal, ça n'a rien à voir. C'est juste que moi, j'aime que ça sente fort et que moi, quand je vous les vends, je suis obligée de respecter un dosage à 10%. Voilà. Donc, le verdict ? Ça sent bon. Par contre, ça ne sent pas le bonbon schtroumpf, on est d'accord ? Non, donc ça sent le bon. Donc, en tout cas, ça sent super bon. Voilà, donc je suis contente. Et en fait, je ne suis pas allée au Mondial Relais quand je me suis réveillée. De toute façon, je me suis réveillée, il était 17h. Je suis sortie du lit à 17h20 parce qu'en gros, j'ai répondu à un questionnaire qu'on m'avait envoyé sur le Facebook de l'entreprise. Et de toute façon, en fait, j'avais fait une demande de partenariat avec la chaîne Simplement Mylène. Elle a accepté. Donc en fait, le temps de préparer son partenariat, je me suis dit, bah, j'irai demain au Mondial Relais et j'irai déposer la lettre en même temps. J'irai déposer la lettre en même temps. Et puis voilà, de toute façon, tout dépend à quelle heure je me couche, puisque techniquement, le relevé du courrier se fait à 9h dans la boîte du centre-ville. Et le Mondial Relais, puisque c'est un tabac cadeau, ouvre à 6h30 ou 7h30, je ne sais plus. Enfin, je regarde les horaires. Je crois que c'est 6h30, mais limite, si j'y vais à 7h30, ce sera très bien. Donc, il faut déjà savoir si je me couche ou pas. J'ai rien de prévu. Mais bon, là, aujourd'hui, je me suis... Désolée, il est 19h05, vous avez l'Angélus. Donc, ouais. Donc, en fait, hier, je me suis couchée, il était 4h. Le temps de m'endormir, il était facilement 5 heures. Voilà. Donc, ouais. J'ai eu quand même un bon sommeil. Ça allait. Donc, ouais. Les chiens sont sortis tout à l'heure quand je me suis réveillée. Ils ont mangé. Ils sont ressortis. Voilà. Moi, je suis actuellement au café. Vous savez très bien comment ça se déroule. Hein. Je me lève, café et tout. Non, j'ai bu du Sunny Delight. Le réveil. J'ai fini ma bouteille de Sunny Delight et j'ai sorti la deuxième du tiroir qui est censé être un tiroir à légumes et qu'un tiroir à bordel. Donc j'ai sorti la deuxième bouteille pour pas qu'on l'oublie. Quand je suis la seule à en boire en fait, tu n'en bois pas toi ? Je n'y ai pas pensé. Ah ouais, je n'y ai pas pensé. Donc voilà. Donc ça, ok. Donc je rappelle que ce soir, nous mangeons le poisson. Et je pense qu'avec le poisson, je vais faire une petite boîte d'haricots verts. Ça te va? Une petite boîte d'haricots verts. Histoire d'avoir un peu de légumes, les gars. Non, c'est juste que un poisson, Jen, ça lui suffira pas. Donc, parce que moi, si je prends un poisson, c'est des poissons, vous savez, panés, mais frais. C'est du colin pané ou je sais pas quoi. Ça reste frais, mais en fait, Jen, un poisson, ça la nourrit pas. Donc moi si j'arrive à manger mon poisson, ok, à la limite je prends une cuillère d'haricots verts, ça me suffit. C'est pour ça qu'une petite boîte suffit largement. Suffit largement. Voilà, donc on trouvera bien. Ou alors je fais mes haricots verts frais que j'ai au congèle. J'ai des haricots verts congelés au congèle. On peut faire ça aussi. Je vais regarder ce qui me reste au congèle d'haricots verts. Et puis sinon je fais un peu les haricots verts surgelés, voilà. C'est très bon aussi, hein. Mais par contre, ils sont un petit peu, ils sont un peu grainés. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Pas pourquoi ils sont un peu grainés. Après, bon, ça se mange des grains, hein, mais bon, il y en a qui n'aiment pas forcément. Donc c'est pas grave. On verra bien ce que je fais ce soir. De toute façon, on a le temps. Les 19h, on mange pas avant 23h. Donc, sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Oui. Les soldes. Il y a encore actuellement les soldes sur mon site. Le site, c'est lesfondantsparfumsnano.com. Il y a actuellement 3 des marques. Donc, pour 5 euros d'achat minimum, vous avez 5%. Pour 25 euros d'achat minimum, vous avez 10%. Et pour 50 euros d'achat minimum, vous avez 20%. À partir du 15 juillet jusqu'au 23 juillet,
il y aura une seconde démarque. Il y aura une seconde démarque. Donc après, si vous préférez attendre la seconde démarque, vous pouvez. Il n'y a pas de problème. Donc en fait, à partir de 5 euros d'achat minimum, ça sera 6% de réduction. 25 euros d'achat minimum, ça sera 12% de réduction. Et à partir de 50 euros d'achat minimum, ça sera 23% de réduction. Voilà. Donc j'espère que c'est clair. Ouais, j'espère que c'est clair pour vous. Donc voilà, ouais, n'hésitez pas à passer sur le site. Comme j'ai dit dans le vlog d'hier, je ne force personne à acheter. Moi, je ne force personne à acheter. Mais en fait, si vous souhaitez m'aider à votre niveau sans forcément acheter, ben en fait, partagez le site, parlez du site autour de vous. Si vous connaissez des personnes qui sont intéressées par les fondants, voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Après, de toute façon, vous faites comme vous voulez. Si vous ne voulez pas parler, vous n'en parlez pas. Si vous souhaitez m'aider à votre niveau, mais que vous n'aimez pas les fondants, vous n'avez pas l'argent, pas de problème. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Il n'y a pas de problème. Donc, en fait, suffit juste de partager mon site. Voilà. Il y a toujours une façon d'aider sans forcément acheter. Voilà. Là, je fais quoi? Donc, je bois mon café, je rejoue à mes jeux et je vais faire marcher mon téléphone. Je vais mettre mon téléphone à balancer. Vous connaissez ma routine du soir. Et puis, je vais regarder les vidéos qui ont été mises en ligne aujourd'hui. Donc, justement, il y a une vidéo de Simplement Mylène. Il y a un vlog d'Audrey. Et après, je ne sais pas ce qu'il y a d'autre. Je n'ai pas vraiment tout regardé. Donc, voilà. Donc, écoutez, je vous dis à toutes. Il est 20h19. Je viens d'étendre la machine que j'ai faite. Donc j'ai fait ce qu'il y avait dans la machine et les draps de Jen. Moi, je changerai mes draps un peu plus tard. Voilà. Et je les mettrai donc dans la machine. Parce qu'en fait, je ne pouvais pas mettre ce qui était dans la machine. Plus les draps de Jen, plus ma parure. La machine n'aurait pas tourné. Donc voilà. Donc là, les draps de Jen sèchent. Mes doudous sont à la fenêtre en train de sécher aussi. Ils sont encore un peu humides comme je fais double essorage. J'espère que ils seront assez secs. J'espère qu'ils seront assez secs. Sinon, en fait, je vais devoir mettre le ventilo sur les doudous. Donc on verra bien. On verra bien comment je ferai. Voilà. Donc écoutez, je n'ai pas encore regardé les vidéos puisque j'étais en train de faire marcher mon téléphone et je faisais mes jeux en même temps, j'avais lancé des jeux en même temps. Donc voilà, c'était un peu compliqué. Puis donc en fait en vidéo, il y a une FAQ de mon ange avec la madré, donc sa mère. La vidéo de Simplement Mylène, le vlog d'Audrey et un haul action d'Audrey. Et normalement, je crois que c'est tout ce que j'avais pour l'instant. J'attends le vlog de Sandrine. Et puis, voilà. Les chiens font dodo. J'ai passé un bon coup de balai tout à l'heure. J'ai passé un bon coup de balai tout à l'heure. Jen ayant passé un coup de balai au niveau de son lit. Puisqu'en fait, quand elle a retiré ses draps, entre les bouts de carton, parce que Charlie fait ses griffes sur les cartons. Donc, entre les bouts de carton et voilà, donc elle a un peu secoué ses draps. Donc, elle a passé le balai, elle a ramassé donc la litière de Charlie. Et moi, j'ai dit, de toute façon, je passerai le reste. Alors, non, je n'interdis pas à Jen de faire le ménage. C'est juste que j'ai dû expliquer que j'aime que ça soit fait comme moi j'aime, en fait. Parce que j'ai pas envie de repasser derrière, en fait. Donc, parce qu'en fait, si quelqu'un fait le ménage chez moi, et que je repasse derrière, la personne va me le prendre. Non? Non. Non? Ok. Donc voilà, donc en tout cas, donc, j'ai passé donc, le balai. Canel est en train de me regarder d'un air. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Qu'est-ce que t'as, mon bébé? Pourquoi tu me regardes comme ça? Et voilà. Le gros couillon s'amène. Bah oui, mon bébé. À la base, c'est Canel qui me regardait. Hein. Toi, t'es en train de te lécher le derrière. Bah oui, mon bébé. Oh, t'as un poil dans l'œil. Donc, eh ben écoutez, je vais enfin regarder les vidéos et je vous dis à toutes.
Voilà, drap changé, parure de la semaine avec les trois chiens qui squattent. Donc c'est la parure Harry Potter Patronus. Voilà. Le chien Prout Prout, Madame 2, qui est toujours les pattes croisées. Mais c'est quoi cette Madame 2 là? Très chère. Madame croise ses pattes. Là, on a un muffin, une cannelle. Oui, mon petit couillon. Ouais, mon bébé chien, qu'est-ce que t'as? Et là-bas, on a une Jen et un chacha. Charlie? Ah, c'est sa tête. On demande où il était. Oui, mon petit couillon. Ouh, t'as un grogné. T'as un grogné. Cannelle? Cannelle? Mamie? Mamie! Alors la Madame 2 là, hein, très cher. T'es un chien de luxe? Avec ton collier à strass, tu m'étonnes, hein. Chien de luxe. Mon collier à strass à 2 euros sur Chine, hein. Je fais pas comme Paris Hilton qui achète un collier en diam, ça son chihuahua. Il est 23h54. On vient de finir de manger, j'ai fait la vaisselle, j'ai lavé mes dents, même si je sais que je remangerai, mais je me relaverai les dents. Mais là, comme j'ai un petit peu des douleurs qui arrivent, j'essaye de les brosser plus souvent. Je les brosse déjà plusieurs fois par jour, mais voilà. Peu importe, là, il pleut. Hein. Il pleut, il y a des gens dehors en train de parler et j'entends des bruits de bouteilles. Eh ben, il risque de faire comme cette nuit la personne dehors. Voilà. Mais j'ai pas compris. Il pleut. Il pleut et ils sont dehors sous la flotte. Ils ont un parasol pour faire un parapluie. J'ai pas compris. Ah, ce soir, donc, on a mangé donc poisson, haricots verts. Oui, oui, un menu sain, les gars, ça existe. J'ai mangé tous mes haricots verts et la moitié de mon poisson. Parce qu'en fait, au final, j'ai fait 2 boîtes d'haricots verts. Parce que je me suis dit, une, ça risque de faire juste. Voilà. Donc voilà, j'ai mangé ça. J'attends que Jen ait fini dans la salle de bain et j'irai me laver. En fait, de toute façon, j'ai la flemme de prendre une douche. Donc, j'irai faire une toilette au lavabo, histoire de me rafraîchir. Voilà. Donc, j'ai changé mes draps. Vous avez vu la parure, c'est la parure Patronus Harry Potter. Voilà. Et puis, puis voilà, donc là, ah oui. Alors, je suis censée ne pas me coucher, hein, clairement, puisque je dois déposer le partenariat pour Simplement Mylène demain matin dans la boîte aux lettres du centre-ville, donc avant le relevé de la poste. Donc, c'est 9h. Pour être sûr que ça part dans la journée. Le Mondial Relais ouvre, quoi, le Tabacado ouvre à 6h30. Donc limite, si j'y vais vers 7h, ça devrait être bon. Et après, j'ai demandé à ma mère si elle pouvait m'emmener chez Action dans la journée. En général, c'est plutôt vers midi. Après qu'elle ait fini de travailler, si elle ne m'oublie pas comme la dernière fois, parce que la dernière fois, elle m'a totalement oublié. Parce que la dernière fois, elle me dit oui, je te prends après le travail ou je sais pas quoi. Je l'appelle. Je lui envoie des messages. Je fais oui. Je fais t'as fini. Je l'appelle. Elle fait ah oui, je t'ai oublié. Elle est en train de manger. Je fais bah, je me doutais que tu m'avais oublié. Elle fait mais tu m'as pas dit. Je fais, mais je t'ai envoyé des messages. Elle les avait pas lus. Voilà, elle les avait pas lus. Donc là, elle a bien lu. Donc en fait, chez Action, je vais reprendre des Alès. Comme ça, j'ai le stock. Je voulais reprendre des bêtises, voir si je peux faire un haul action. Si je fais un haul action, vous l'aurez à 18h. Voilà, si vraiment j'en fais un. Si je n'en fais pas, bah, il n'y en aura pas. Ça dépend ce que je trouve. Parce qu'en fait, voilà, il y a des choses que je suis pas forcée au bout. Je n'ai peut-être pas forcément trouvé. Je cherche désespérément le papier bulle. C'est très dur de le trouver chez Action, le papier bulle. Je ne sais pas quelle action ma mère va m'emmener, parce que je vois qu'elle m'a emmené la dernière fois. Il n'y a pas spécialement de choix, surtout en bêtises. Hein. Les bêtises, bah oui, c'est important.
Il n'y a pas beaucoup de choix en bêtises. Donc voilà. Oui, bah oui, les conneries, c'est la vie. Donc voilà. Donc il faut que je reprenne des Alaise. Il faut que je reprenne un dentifrice. Je voulais des produits pour le linge. Donc Fabulosa. Je voulais reprendre. Je voulais prendre bah, des bêtises. Je voulais reprendre quoi en... Des pastilles Javel. Des trucs comme ça, viande séchée et tout. Voilà. On verra ce que je trouve. Et si vraiment il y a matière, je ferai un haul action, même petit, hein, pas très grave. Si franchement il fait 5 minutes, bah, tant pis, c'est pas très grave, il fera quand même 5 minutes. Mais bon. Après, je n'ai pas les moyens de faire des haul actions à 150 euros. Hein. Je fais avec mes moyens. Voilà, je fais avec mes moyens. Donc voilà. Donc écoutez, bah, là, Jen vient de sortir de la salle de bain. Moi, bah, finalement, il n'y a pas l'air d'avoir de vidéo de Sandrine aujourd'hui. Il va être minuit, il n'y a pas de vidéo, donc tant pis. Donc, bah, écoutez, ce soir, je vais encore regarder Heartland ou au foyer Fruit Basket, je pense. Je vais alterner un petit peu. Écoutez, il y en a, ils ont chaud, ils sont pas la pluie, à mon avis. Parce qu'il n'y a pas d'abri ici. Sur la place, il n'y a pas d'abri. Il y a des arbres, des bancs, mais il n'y a pas d'abri. Je ne sais pas où ils sont. Mais en tout cas, les bruits de bouteilles, on les entend bien. Donc écoutez, je vous dis à toutes. Il est 1h04. J'ai fini seulement de faire ma petite toilette vite fait. Parce qu'en fait, j'ai lancé un épisode d'Heartland, je l'ai regardé. Donc là, je suis allée donc faire ma petite toilette aux gants, au lavabo. Voilà. Et l'orage est en train d'éclater. Voilà. Les personnes qui étaient sur la place, sous la fenêtre, en train de picoler et de boire et de parler fort, il était minuit quand je leur ai demandé de baisser un petit peu d'un ton. J'aurais demandé gentiment, j'ai pas dit vos gueules ou j'appelle les flics, et puis c'est ce que je fais. Là, ils n'étaient pas méchants en soi, juste bruyants. Donc je leur ai demandé de baisser d'un ton. De toute façon, ils n'allaient pas rester sous la pluie éternellement. Donc ils nous ont dit d'accord, désolé, et ils sont partis. Là, c'est malin, au moment où j'ai commencé à mettre le téléphone, il a grondé, hein. L'orage, il a grondé. J'aimerais bien que ça retombe un petit coup, mais je pense pas. Voilà. Donc là, je continue Heartland, voilà. Mais c'est malin, parce que moi, j'avais chaud tout à l'heure, donc j'avais remis le super débardeur léger. Il faut que je sorte là le pyjama en pilou-pilou, ou comment ça se passe? Ouais, comment ça se passe? Pyjama, pilou-pilou. Les chiens font gros dodo. Charlie, voilà, il a été réveillé par l'orage. Voilà. Donc, ouais, donc écoutez, le fondant bonbon a très bien diffusé. Voilà. Le fondant bonbon a très bien diffusé, donc je verrai le fondant de demain. Voilà, donc ouais, demain je dois donc déposer la lettre donc, pour le partenariat, chercher mon colis Mondial Relais et après je ne sais pas quand, je ne sais pas quand j'irai donc chez Action. De façon générale, c'est pas avant midi, donc j'irai donc chez Action, mais ça je vous en ai parlé tout à l'heure. Moi, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc voilà. Ah oui, bah, maintenant il faut que je réponde à mes sessions boost. J'ai fait deux sessions, j'ai fait quatre sessions boost. Peut-être que j'oublie pas de rendre que j'oublie pas de rendre les captures. Donc ouais, il faut que je m'attaque à ça. Je vous dis à toutes. Il est 2h29. J'ai fini la saison 2 de Heartland. Donc réentame foot basket, donc j'ai lancé l'épisode 1, voilà, donc de l'animé. Voilà, donc les chiens eux font gros dodo, l'orage ça a tonné 2-3 fois, puis c'est tout. J'ai rendu mes sessions boost, voilà, j'ai rendu mes sessions boost donc sur Instagram, puis voilà, en soi, j'ai pas fait grand chose à part regarder Heartland. Et faire les sessions boost et jouer au jeu. Je pense que le vlog ne va pas être spécialement intéressant. Je suis désolée. Mais j'avoue que
Là, en ce moment, je bug un peu. Puis, il faut pas que je me répète trop non plus dans ce que je dis. Voilà. Donc, ouais. Donc, écoutez, ouais, le vlog ne sera pas long, même pas un quart d'heure, je pense. Je vais faire le tirage au sort du fondant de demain et je prendrai le vlog pour clôturer. Allez hop, tirage au sort du fondant de demain. Et le gagnant sera Orchidée Noire. Super! Voilà, tirage au sort du fondant de demain fait. Donc ce sera le fondant Orchidée Noire. Voilà. Donc moi j'avoue que je commence un peu à fatiguer. Mais le truc c'est qu'il faut que je sois réveillée pour envoyer le paquet demain. L'enveloppe demain, chercher mon colis et en plus que ma mère me prend pour me prenne pour pour action. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Mais oui, j'avoue que ouais, c'est pas facile parce que j'avoue que je fatigue beaucoup. Voilà, la nuit je fatigue beaucoup alors que d'habitude je pète la forme. Donc là je sais pas. Donc par contre après je fatigue mais après si je me couche à 5 h, je dors pas quoi. Donc c'est très particulier. Donc je vais voir. Soit je me couche un peu et je me lève vers 7 h, 7 h 30. Voilà. Histoire d'aller déposer le paquet genre vers 8 h. Et aller au. Et d'aller au Mondial Relais. Voilà. Parce que je veux que le paquet parte vraiment demain. Et bon, après, de toute façon, il faut que je sois debout avant 10 h 30 automatiquement. Je ne sais pas à quelle heure ma mère finit. Ou alors limite vers 11 h. Il faut que je me lève vers 11 h limite. Je ne sais pas du tout à quelle heure ma mère peut me prendre. Donc en fait, c'est soit je me lève vers 11 h. Et il faut que j'aille à la poste pour le relevé du soir. Le relevé, je crois, c'est 4 h 30. Voilà. Soit et j'irai au Mondial Relais dans l'après-midi. Tout dépend. Là, pour l'instant, j'avoue, je fatigue un peu, donc j'hésite. Je finis l'épisode de foot basket et je pense ouais, je vais me poser un petit peu quelques heures. Et ouais, j'irai déposer le paquet à la poste qu'il parte bien demain dans la journée. Et j'irai au Mondial Relais dans l'après-midi. Voilà. Donc écoutez, je clôture le vlog ici. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner. Activez toujours la notification et je vous dis à demain dans un prochain vlog. Salut!